J'ai mis ça comme coupe en attendant, je sais pas si c'est bien. Vous aimez bien? Sauf ça a du flow, moi. Non, FF. Inquiétant. RG. Tu sais que j'aimais trop cette coupe, moi. Cette coupe, j'avais trop de flow avec, frère, en mode triste. La prochaine fois qu'il se passe une catastrophe, je mets cette coupe à vie, je vous le dis. Ça, c'est straight air 05, je vais voir. Mais Itachi. La coupe de ton frère, je sais pas c'est laquelle, chef. A dit middle, médium. La dernière. Ah ouais. Wesh, ok. Il aime pas, c'est sûr. Enlève les cernes. Après, on n'est pas dans les Sims, les frères. A jamais été aussi frais. Enlève les cernes. Je peux pas enlever les cernes, les gars. C'est comme ça. Vous êtes des ouf. Les gars, faut que je vous montre mon nouveau KG. Et si il était pas broken, mais que personne le sait? Ma théorie, les gars. Excusez-moi de dire. Les gars, cette attaque, elle est broken, celle-là. Regardez. Pour un médecin pour tester. Je suis lag de fou, frère. Le pire roll de tous les temps. Il me reste 40 rolls, les gars. Et 6, 7, 8 ninjas avec eux. La mort. Va au domaine. Y'a quelqu'un au domaine? Non, de Suna, Suna. Faut que je teste. Ou Amod Karasuna. Ojin a dit que c'était naze. Y'a personne au domaine, bande de bâtards, on me dit d'aller au domaine. Ah, chiche. Bon, le chef du clan, là, c'est quoi qui monte la stèle? On a enfin des lits, frère. Jure, t'as ton lit, ouais. Pas dans la cuisine. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu reprends les Bah, fours je faisais un de. burger là, attends. Tu reprends les fours de mon père. Bah, j'avais faim. Tu veux manger un truc? Vas-y. Vas-y, va t'asseoir, je te ramène ça. Ok.
cet happening. Mais attends, mais il est fou. Qu'est-ce qu'il fait là, frère? Il a pas le droit d'être là, il va se faire tuer, frère. Oublie ce KG. Les gars, j'ai vu le potentiel en fait. En fait, qu'est-ce que m'apporte le Yoton de lave, les amis? Qu'est-ce que m'apporte le Yoton de lave, sachant que je me sers pas de la boule? Un caillou qui suit, qui fait 100. Ok, pas mal. Des petits cailloux qui mettent 100 chacun, mais tu peux en toucher deux max. En gros, une attaque fait 200. Très dur à toucher. Et la reine de lave en guerre. La reine de lave qui peut être très bien, très bien matchée avec le Susanoo. C'est vrai que j'aurais peut-être dû attendre de faire des tests avec le Susanoo quand même. Ou même avec... avec... Okay. Kiminari c'est encore mieux parce que le laser circus il est encore plus restreint. Donc le mec il est obligé de prendre des dégâts. Mais moi je voulais Kiminari, c'est juste juste les mecs, j'ai eu Futon. Je vais vous montrer les sorts. Bon ça je peux pas. Fais un brouillard de vapeur, ça n'existe pas. Point de vapeur. Donc là tu te mets en mode Futon mode. Je sais pas la brûlure elle fait combien de dégâts en fait. Là, crash de la vapeur et inflige 150 dégâts et tic par tic et brûle pendant pourcentage secondes, je sais pas. Souffle de vapeur, ça c'est comme le jet d'eau mais c'est au cac et ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et ça c'est vraiment fort l'écrasement de vapeur mais pas beaucoup de dégâts. Oh, merci. Merci C'est beaucoup. improbable, hein. Savais pas que tu savais faire ça. Mais par contre, qu'est-ce que tu fais au village? Tu vas te faire tuer s'ils savent que t'es là. Mais non. Oh, tu Je vas les suis de tuer? retour. Ouais, ça y est, ma mission touche à sa fin. Mais t'as pas réussi ta mission? Malheureusement, il est parti du attaque. Il est parti Il du n'est plus village. Amekage. Il y a un nouvel Amekage. Ouais, il va être désigné ce soir. Et ils t'ont laissé revenir? C'est plus compliqué que ça. Tu vas Ils devoir. m'ont donné une mission que je ne pouvais pas accomplir. J'étais sous peine de mort. C'est la Mekage même qui me l'a donné. Éliminer Kagami et éliminer mon père. Sans quoi, exécuter dans la place publique. Pardon, Wow. pourquoi je suis revenu? Et J'ai ramené avec moi le pari et un parchemin secret. un parchemin La secret. trancheuse de soins. Trouvable Kam et je crois qu'il est allé à Suna récemment. Brise un sceau ayant du chakra régénérant à 20% de points de vie en 10 secondes. S'il Wow. était pas content que je sois là. Si, si, bah de toute façon, dans tous les cas. C'est juste que je suis choqué. Ah, balance Par contre, je une. peux pas sortir. Tant que Kagami revient pas ou Hatsujin, je suis bloqué ici. Dans Voilà. le domaine. Ouais, dans le domaine. T'as pas encore parlé au Kage? Ici, mais justement, j'ai le droit de sortir qu'en présence de Kagami ou Satsujin. Et en ma présence, non? Je sais pas qui te fait pas assez confiance. T'as pas de chance qu'on ait changé de Hokage parce que si Renji était encore en place,
Si Renji était encore en place, eh bien, tu aurais pu revenir parce qu'il m'avait donné une dernière chance de te ramener. En tout cas, ça me rend heureux que tu sois là. Tu as pu parler à des gens de Ah bon, on Konoha? dirait pas. Non, c'est juste qu'en me réveillant, j'ai eu des problèmes. Ah ouais. Je suis allé faire mon test ADN quotidien. Enfin, hebdomadaire plutôt. Et je me suis retrouvé avec ça. J'ai même pas vu, c'était quoi ça? Je crois que c'est ça. C'est ça. Ça? Attends, toi aussi? Ouais. Hey, mais tu sais pas, mais ça fait super mal, hein. Ouais, j'ai Y a que vu, le j'ai souffle vu. mal, mais il te faut quelque chose pour immobiliser. Sinon, voilà quoi, sans plus. Mais attends. Moi, j'utilise que la rang S. Je vais voir la rang La rang S. S, c'est ça. Wow. Ça brûle. Problème, c'est que je l'ai pas encore perfectionné. Je me suis entraîné dessus, mais il faudrait apporter quelques changements sur le parchemin. Ah, Ah ça ouais? pourrait la rendre redoutable. Là, elle est efficace, mais elle pourrait être mieux. Mais ça, c'est pas mal, non? T'as des équipements? Ouais, je suis équipé. Regarde, sous équipement. Et 4? Ouais, je me dis équipe. Ouais, enlève pour voir. Vas-y. Ah, y'a ça, y'a ça. Ah ouais, faut vraiment être collé. Regarde comment tu m'as blessé. Ouais, mais faut. Bah, c'est facile de t'en sortir si tu cours. C'est ça, mais sans que moi avec Nubari je pouvais le faire. Ah ouais, Bon, c'est du coup j'ai dû la vrai. Dokage et on verra. On verra ce qu'il va en être. Attends, bouge pas. Désolé, ça fait mal. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Ça c'est pas efficace, hein. Ouais, ça c'est vraiment bien. Non, non, c'est trop nul justement. Ah ouais? Je sais pas, terrible. Franchement, ce Mais qui va être bien, je trouve je ça me suis pas peut. entraîné beaucoup dessus, mais par exemple. Ouais, quand Quoi? quelqu'un est caché, ça c'est vraiment fort. Enfin, ouais, caché ou vas-y, recharge ton chakra. Allez, Briser un niveau peu. 1. Hein? Après, bon, classique, c'est ça. Ça permet de temporiser, je disais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, t'as la classique, c'est ça. Heureusement que j'arrive à éviter tes coups. Du coup, il faut que tu tapes pendant que t'es. Ah ok. Attends, je vais essayer. Bah sinon Nick avait vraiment inefficace. Mode futon et tu me tapes. Je te vois pas, il y a trop de fumée. Ouais. Faut juste appuyer. Niveau 1 les mecs, hein. Après sinon le crochet, je sais pas, hein, je suis pas fan moi. Ah, je trouve que ça fait Horrible. beaucoup de dégâts quand même. J'ai l'impression que c'est un jutsu, mais c'est des dégâts comme du Kenjutsu. Ouais, mais ça je sais pas. Je sais pas si c'est normal. Tant mieux, hein, j'ai envie de te dire. Mais Ouais. t'as vu, c'est intouchable. Ah, c'est dur à toucher. Après, ça reste toujours efficace. Regarde, je mets un scalpel. Ça touche zéro, frère. Juste fonce dessus. Essaye de bouger, hein. Essaye de bouger. Vas-y.
Là, j'ai activé le Sharingan pour voir les dégâts que ça fait. Tu vois, en bataille, ça peut être pas mal. Ouais, ouais, c'est comme les... Ça ressemble aux pointes d'automne. J'ai que le niveau 1. Ah, ok. Ouais, c'est un peu le même principe. Et ça, c'est vraiment... On est d'accord que le jutsu qui souffle de la vapeur, il est pas bon du tout, non? Bah en fait il est... Attends, je vais invoquer. Soigne-toi. Imaginons que je t'attrape avec mes barils. Ok, là je suis attrapé. Là, j'ai né le jutsu Kami. Je vais le faire pendant 3-4 secondes. Ok. 1, 2, 4. Oh, mais le problème, c'est que si t'as pas Nuit Barry. Si j'ai pas Nuit Barry, là, c'est impossible. Ouais. C'est pas efficace. Donc. Donc, c'est pas efficace pour toi. Après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux opérer avec des Nara. Ouais, s'il y a des Nara, c'est bien. Après, s'il y a des Nara, autant utiliser ça. T'as, comment dire, beaucoup entraîné du coup sur le souffle. Ouais. Le sur, tu verras. Ok. Tu commences comme ça. Ok. Arrête, arrête, c'est bon, c'est bon. Tu finis comment? Eh ouais. Et ça, ça mais... Pourquoi ne pas juste faire Amaterasu après? Ouais, non. Bah parce que l'Amaterasu, en gros, la différence que maintenant je maîtrise Amaterasu. Amaterasu, tu peux le mettre une fois ou 10 fois, ça fera à peu près la même chose. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors que ça, c'est vraiment plus tu le mets longtemps, plus ça s'accumule. Ok, ok. Maintenant, laisse-moi te tester. Amaterasu, ce qui est important, c'est vraiment. C'est vraiment le. La brûlure qui ferait. Ouais, c'est... si tu brûles quelqu'un, le feu va rester longtemps. Alors que là, tu dois maintenir le souffle pour brûler la personne. C'est ça. Attendez, je vais mettre Taijutsu en 4. Merde. Ok. Trop lent. Trop lent, ouais. Par contre, moi, ce que je peux faire... Après j'évite les dégâts, ok. Même toi tu peux le faire. Essaye de le faire un peu pendant... Enfin, ouais. À la fin plutôt. Le problème c'est que... Attends. Ou si t'as une charge... Non, je suis plus combattant. Attends. Je vais faire une sieste. Si, je suis combattant mais je prends la charge. Et dans tous les cas je vais passer médecin donc... Faire une sieste pourquoi là? J'ai pas compris. Non c'est bon, tranquille. Ok. Tu sais tu peux au moins. Ah mais parce que c'était le souffle, c'est pour ça que ça n'a pas touché, ok ok. Ok, dis dans 10 secondes. I beg reroll. De quoi, tu vas retenter? Vas-y. Ouais. Ah, je viens de comprendre la sieste, ok. Ouais, ouais. C'est bon. Je réfléchis à comment tu peux le mettre en place. C'est trop dur à mettre en place. Ah ouais, c'est pas la fleur du lotus. Par contre, ce que t'as mis après, ce que t'as mis après, tu peux. Attends, ouais, c'est ça que je veux mettre, c'est ça que je veux mettre finalement.
J'étais sûr que ça marche pas. Après, je crois que j'avais le Ouais, temps de ça met bouger. trop de temps à se lancer. Ouais. Ouais, ça met trop de temps. En fait, ça pue sa grand-mère, frère. Pendant 30 secondes. Ça fait 300 de dégâts quand même. Hein. En flat. Mazet ton katsu devant le palais. C'est pas moi. À part la rang S, c'est pas ouf. Même la rang S par rapport aux autres rang S biotone de lave, ça explose, wesh. Ok, prépare-toi. Non, je me suis trompé. Ça peut être. Non. Non. Par contre, le premier tamis, ça peut être cool. Je sais pas si c'est rentable. Ah, ok. Mettre la boule d'énergie, puis la pluie de vapeur. Puis l'ombre de la feuille morte. Ah, c'est ça. Oh, ouais, j'ai vu. Ouais, vas-y, viens, on est. Mais je sais pas si t'as le temps pendant la boule d'énergie. Le seul moyen de savoir, c'est de tenter. Ok. T'as la boule d'énergie, toi? Moi, j'ai pas la boule, non. Arrêtez les gars, je teste des combos, ça se trouve, il y a un truc cheaté. F10 kill, il peut TP. Il a? Ok, il a. Ok. Non, il y a trop de temps, tu peux bouger. Oh, je pense que t'as le temps. Je pense que j'ai le temps, c'est juste que j'exécute mal. Ouais, si tu le fais plein de fois les moudras, tu peux tenter. Je suis pas sûr. Hein. Tu. Ouais, désolé, désolé. Attends. T'inquiète. Ça part. Attends, je vais. Vas-y. Non, t'as oublié. Non, je voulais tenter celui-là. Ouais, mais je suis obligé de le réussir, quoi. Ok, attends, je vais copier ta boule d'énergie. Ok, vas-y, on va essayer. Là, je peux. Là, je wow, ça prend tellement de temps. Ouais, c'est pas aussi évident que tu penses. Ce que tu dis. En fait, avec la fleur du lotus, tout est plus pratique. Ouais, bah ouais, la fleur du lotus, j'imagine que c'est. Après, je peux simplement faire ça, non? Ouais, ça passe. Ouais, mais est-ce que c'est efficace? T'as pas dû me faire beaucoup là. 400 tissus quand même. 400. Ouais. Et toi, tu fais du combien avec le crachat? 300 crachat. Et je l'ai pas. Ah, bah en fait, c'est moi qui ai pas. Je peux entraîner dessus. Ouais, c'est ça, mais je l'ai pas entraîné au maximum. Ah, ouais, toi non plus? Ouais, mais il manque, je pense, un dernier parchemin et c'est bon. Attends. Non, il est pas passé. En vrai, il y a un monde, hein. Je relâche ça. Les gars, je pense qu'il y a un monde, hein. Faut qu'il buff. Pensez.
Les gars, ça va mettre... Après, c'est intouchable, mais ça fait 300 de dégâts. Le souffle, il pue sa grand-mère si t'as pas de CC. Et j'ai pas de CC. Attends, je vais essayer ça. Tu m'as mis chien là? Je sais pas. Je sais pas. Voir ta boule d'énergie. Le truc, la j'ai mis trop de temps à se lancer. Ouais, elle met trop de temps à se lancer, c'est tu dois commencer avec. Moi, c'est obligé que ce soit c'est le début de. Attendez, les gars, je vais réussir avec ça. Ok. Après, je peux te suivre, quoi, mais. C'est le mieux que je puisse Ça touche faire, je pas à coup pense. sûr quoi. Non, je pense pas que ça touche à coup sûr. Obligé de te suivre. Il n'y a plus rien hein, mais... Peut-être aller voir. Peut-être aller revoir. Refaire un test ADN, je. Honnêtement? Ouais. Honnêtement? Vas-y. Vas-y. Les gars, je pensais j'avais une instru. Je pensais qu'il y avait une instru, les gars. Après, j'en ai pas beaucoup, ça se trouve, je vais finir avec rien aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Bonne chance, on se battra sans rien. Hein. Et j'en mettrai pas, donc ça va me casser les couilles, je vous préviens déjà de base. Je fais avec ce que j'ai, et si ça marche pas, ça marche pas. C'est pas ce qu'ils ont envie de montrer du serveur, ça c'est vraiment pour ceux qui ont envie de se faire un kiff. Donc Ah j'en avais encore full en fait, je suis un ouf. J'aurais pas dû reroll. Mais là je suis dans la merde les mecs. Le Yoton de lave, il va jamais tomber frère. Un peu. Je pensais que j'allais m'en rester peu en fait, je sais pas pourquoi. Bah non, vu que je l'ai pris lui, j'ai arrêté vite. Mon couteau. Mais skip. Ah mais limite je vais le faire off stream les mecs ça je pense. Hein. On va se battre sans rien aujourd'hui je pense. On va retourner à la galère. Parce qu'il m'avait dit au début il voulait pas montrer cet aspect-là donc j'ai pas eu de le... J'ai pas envie de le faire pour... On kiffe nous. Ouais je sais, je sais. Par pitié, vas-y. C'est la seule et dernière fois que je fais, frère. Je pense que le premier que j'ai, je joue avec ce soir. Et après, au pire, j'en referai le soir pour choper ce que je veux. Non, pas celui-là, pas celui-là. Celui-là, je sais déjà que ça pue sa grand-mère, celui-là, je sais déjà. En fait, c'est fort en early, mais après, c'est nul à chier, frère. C'est fort en early. N'a rien vu. Ouais. Non mais le problème c'est que là les gars c'est ça que je voulais pas tomber dans ça les gars. J'ai rien vu rire. Juste baisser le son frère. Non.
Mokuton en légende. Mais les gars, arrêtez de rêver, je jure, c'est 0,01% de chance. C'est pas ce que je vise. J'ai fait une connerie, je veux juste rattraper ma connerie. Juste rattraper ma connerie, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. The man can dream. Oh ouais, t'inquiète. Moi, je veux juste rattraper ma connerie, c'est tout. De toute façon, en plus, si je veux un légendaire, c'est pas le Mokuton, c'est le Shoton, je pense. Ça a trop de flow, frère. G-Ton Iron, c'est horrible, non? Ça doit être dégueulasse. Après, je vous jure, le prochain jeu, je le garde quoi qu'il arrive pour ce soir. J'ai pas envie de faire ça. C'est le pire. Arrête, c'est full dégâts physiques, non? C'est full dégâts physiques, non? Non. Bien sûr. Rang A moins 22 par coup. Bah, arrête de mentir, frère. Il s'est fait up le Jinton Iron. Ah ouais? T'as reroll le Yoton, t'es un assassin. Frère, il me fallait. Je sais pas, je me suis. J'ai cru à une instru, frère. Je me suis dit, ça va tomber, frère. En fait, je suis trop con parce que. Parce qu'en fait, avec la reine de lave, j'avais juste à mettre mon Susanoo et c'était fini, frère. Non, mais les gars, vous faites pas bait, hein. Vous faites pas bait. J'en suis vu, vous faites pas bait. 0,01% de chance. Il y croyait même pas. C'est la seule et unique session drôle que vous verrez, frère. Attends, je veux juste voir ce qu'il fait le Jinton Iron. Tire une balle magnétique qui inflige 60 de dégâts. Elle peut suivre la cible pendant 2 secondes. Exceptionnel, sachant que c'est des dégâts physiques. Lance un point de fer qui inflige 60 dégâts et les ralentit pendant 1 seconde. Exceptionnel. Crée un mur de fer magnétique avec une taille de 2 unités pendant 5 secondes. Mutile tout ce que cela touche. Comment ça, mutile? Genre, ça allait stop? Lance une grande tornade magnétique pendant 2 secondes. Cela attirera les ennemis vers la tornade et leur infligera 85. Et armure de fer, j'imagine que c'est la rang S. Armure de fer, c'est la rang S, non? Ça a l'air lourd. Bah oui, mais les gens, ils parlent que de Kiminari et Yoton de lave. On va recréer cette méta, les mecs. Arrête, c'est sûr que si je lis le Shoton là, si tu lis le Shoton là tout de suite, tu deviens fou. Donc pas dans ça, non, j'ai juste mes rerolls restants et SLM. Après, si je. Pas le Titan, je t'en supplie, je joue au corps à corps, mon frère. Titan, ça a l'air tellement sans sucre, sans sucre, sans sel. Un mélange entre le Ryoton, ça a l'air horrible, frère. Le Ryoton, tu vois, c'est le plus nul, frère. Arrête! Le Ryoton! Tu peux mettre beaucoup de CC, hein! T'en fais voir le Ryoton! Parce que je sens que c'est ça que je vais avoir, je sais pas pourquoi, frère. Commence un souffle de glace, infligeant 45 dégâts aux ennemis constamment et les gelant pendant 1 seconde. Déjà, ça a plus de sens que le souffle de feu, frère. Lance un shuriken de glace qui inflige 20 dégâts et gèle pendant 1 seconde. Piège quelqu'un dans une prison de glace. On est d'accord, quand il est piégé dans la prison, tu peux pas le taper, genre. Quelqu'un peut me porter 2 secondes? Je suis bloqué. Ok, Vas-y, merci, monte. merci.
Ah, c'est bon, merci. Très bien. Maison de glace, la rang D, ouais. Je sais pas c'est quoi la rang A en fait. Ah ouais, y'a que la rang A qui nous intéresse. C'est support un peu. Après, des CC, c'est ce qu'il me faut, moi. Je suis sous anneau, je mets un mur qui slow. Je tabasse le mec. Oh. Le retour à la base, les amis. Le FC Kiminari qui a gagné, moi qui voulais révolutionner la méta. Je ne pourrais pas révolutionner la méta, je suis dégoûté. Je voulais faire le hipster. Meta slave. Les gars, je suis pas comme ça, les gars. Je suis pas comme ça, les mecs. Si. Si. Les gars, je suis pas comme ça, les mecs. Seulement deux sorts à max. En plus, c'est deux sorts broken, frère. T'as rien, ça se passe comment? Je fais avec rien ce soir. Les gars, j'ai un feeling. Jinton Iron, ça a l'air exceptionnel. Arrête, je peux pas faire ça. J'ai la flemme de finir avec rien ce soir. Kiminari, les mecs, on est tellement... Honnêtement, on est tellement ce ninja comme tout le monde. Alhamdoulilah. Il y a un mec qui a dit Jinton Iron, c'est irregardable. Fils de pute, on dirait que je joue Trundle, frère. Oh putain. Les gars, j'ai l'impression, même le Ryoton là, j'ai l'impression que je peux faire un truc avec cette merde. Montre à quoi ressemble la tenue, je te jure. I don't care. Regardez les sorts Shoton. Hein. Jette deux shurikens de cristal qui inflige 15 de dégâts et cause du saignement pendant une seconde. Invoque un dragon, bah celui-là on va pas le regarder, ça la rend S. Piège quelqu'un dans une prison de cristal avec 50 points de vie et cause 2 secondes de saignement. Cristal clone. Crée un clone qui va infliger 50 dégâts aux ennemis et applique un saignement lorsqu'ils sont touchés pendant une seconde. Armure de cristal. Équipe une armure de cristal pendant 17 secondes, réduisant les dégâts de 25%. Inflige 10 dégâts aux ennemis. C'est le mode Shoton. Ses rôles pour du Shakuta. Enfant, t'as lumière céleste plus Kiminari. De toute façon, j'ai dit le premier que j'ai, j'arrête. De toute façon, je peux même pas max les deux sorts. Il faut que je monte la panthère au max, non? Je pourrais pas mettre la Panthéon Max parce que Laser Circuit sera niveau 4. Et 2-4, ouais, c'est ce que je me disais aussi. En plus, je vais bientôt avoir 2 points là. Merde, j'ai recliqué. Moi, il me faut... Bah, prochain level, c'est 2 points, c'est la Panthère Max. C'était pas mieux la zone de Laser Circus Max? Ta voix, elle est différente de... Peut-être banni de Conroy. Accès au parchemin. Donc la CNC a dit faire un rapport. Médecin Kram. Maintenant il faut que je vois, je mets quoi en jutsu de base. Non, je reroll pas les gars, je reroll pas, on est bien là.
En fait, les gars, je peux pas médecin, je vais vous expliquer pourquoi. Écoute, combien me. Ah, écoute, cher mes jutsu quand même. Les gars, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai pas assez de points pour aller chercher le truc de classe. Ça coûte 2, 2, 2, 6, 9 ou 12. Et là, j'ai 9 points dans ça, c'est tout. Osef, du scalpel, il te faut le chakra. Ouais, vous avez raison. Oublie la MS. Bah après, si j'ai pas de move speed avec le Sharingan, avec le Susanoo, voilà, bizarre quoi. Mais la panthère, c'est trop bizarre à lancer. À chaque fois qu'on me la lance, j'ai l'impression que c'est trop bizarre. Ashina, t'avais montré, ça change rien. Ouais, mais là, avec le Susanoo, les gars. Ça me coûte combien de mettre le scalpel niveau max? 9 plus 6. Ça coûte 15. Sinon, ça me coûte 12 points de le mettre level 4. L'AMS, t'es pas obligé. Ah, mais les gars, frère, je vous jure. Je sais pas en vrai. Level 4, scalpel, parfait. Ah non, ça me coûte moins encore. Il y avait déjà le passif. Et du coup, je peux mettre deux dans les stats. Panthère 5, non, il me faut 3. Panthère, il me faut 3, les gars. Et si on enlevait. Et si on disait pas nique sa mère à l'ombre de la feuille morte? Ah non, c'est vrai, il m'en fallait 2! Ah, il m'en fallait 2! T'as vu comment il est? Joseph, prochain level. J'utilise jamais le scalpel. Ouais, bah c'est normal, j'étais pas habitué encore. On te MP dans le chat. Personne m'a MP, chef. On va s'entraîner contre Kojin, je vais lui montrer la vie en vrai, frère. Faut que je remonte le son du jeu, ouais. Wesh. Ah, il est sûrement au terrain d'entraînement. Cambrioler, chef.
C'est Shoton, rentrons, Upper. Il pleut. Ah, tu sais jamais, hein, ce soir, je vais peut-être. Si j'aime pas la panthère ou quoi, je vais peut-être faire des conneries. Hein. La fameuse panthère. Bon, du coup, attends. Ah non, ah non, Cogine il se bat, je suis trop con. Mettre là comme ça. Ah ouais, ce Mokuton, on n'a pas la même vie, chef. C'est plus facile à passer la panthère. Vous allez bien? Ça va et vous? Et respect l'équipe. Ça va, ça va. C'est l'équipe, ça. Pourquoi maître? C'est quoi votre rang? Non, j'ai pas dit maître. J'ai dit c'est l'équipe, c'est ah, ça. Ah, j'ai cru entendre maître. Ah non, non, c'est pas l'équipe là. Ah non, c'est Kinkaku. Ah, Kinkaku, ok, ok. Moi je te coupe tout. Salutations, mes respects. Ah, ok. Mes respects, mes respects, Mazaru. Enchanté. Quelqu'un qui veut faire on un combat faire là, un combat peut-être. Ouais, j'ai envie d'essayer mes... Ah bah parfait. Mes nouvelles aptitudes au combat. En vrai là j'ai pas mal de CC, no joke. Hein. On va peut-être gêner ici, non? Oka et de... Faut que j'aille plus vite. Ah c'est bien. Hein. Normal, tu peux pas bouger, tu peux rien faire. Ça l'a pas cancel, chef. Oh. On va refaire, on va refaire. Sur t'as le Susano, ouais, j'ai pas utilisé direct. En vrai, la panthère, c'est facile à toucher, hein. Tu veux oh. Purée, c'est pas possible, j'ai rien mis. Alors, qui a été la victoire et quel était le résultat de la victoire? Ah merde. Ah désolé, j'ai confondu. Tu l'as. Ah, on refait ça. Toi, ok, ok. Non, 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 c'est pas moi. Mais c'est qui que je... Mais non, c'est toi, je vois ton drago de okay. Moi. Non, regarde. Ah ok, toi aussi, ok. Aïe. Bon, quoi tu veux? Salut Kushiki, ça va? Je vais bien et vous? Ah, pas de pas. Je voulais vous dire,
Je me trouve très beau avec les cheveux longs. Vrai, c'est vrai. C'est très bien comme ça. Ça fait le petit one bonus. Quoi? Quoi? Merde, j'avais pas réactivé le Sharingan. Je me retrouve à zéro quand même, j'ai pas de chakra, frère. Exactement. Ah, il part trop lentement. Oh. Ah, Mouton, ça régène de fou, les gars. Oh. Aïe. C'est mal ce dragon. Ah, je vais me soigner, on va refaire. Non, je vais bien. Le dragon, les gars, il fait le combat lui seul, frère. Je suis encore habitué à... à mes jutsus, là. Donc je... En fait, le seul truc que je peux rentrer, c'est... C'est ça, on est d'accord, hein. Ah, c'est l'ombre, je l'ai pas. Et le jet d'eau aussi. C'est que Jutsu, c'est tellement loin. En fait, il n'y a pas de défense ici. Et quand tu veux. Bref, mon scalpel, il se barre là. Comment je lui mets aussi peu de dégâts, les gars? Ok, Jutsu. Il est équipé, mais non, mais proche d'équipe, chef. Et moi aussi, je vais pas rater.
S'il te plaît, mets-toi mon trauma. Ah, mon ombre elle est partie dans sa graine de merde. Je peux savoir comment mon chakra il se régénère pas là? Ah, la graine Mokuton, bah oui frère. HP. Vous avez du chakra? Waouh. Très très dur de reprendre son chakra avec ses petites graines. Ah ouais, je les ai placées. J'ai pas utilisé mon dragon parce que c'est déloyal contre une personne qui. T'avais de l'équipement? Qui s'entraîne juste. Non, non, j'en ai pas. Non, tu peux me taper si tu veux pour vérifier. Ouais, justement, c'est bizarre. Ouais, vas-y. Attends. Ah bon. Il y a beaucoup moins de dégâts au Kenjutsu. Ah ok, je sais, c'est pas grave. Moi je suis passé médecin, je suis bête. Ah. C'est pour ça. Je me disais aussi, c'est bizarre. On peut refaire. Si... Non, je triche pas. Hein. Ouais, non, t'inquiète, 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 y'a pas de problème. Pas de stance. La stance rajoute pas de dégâts de... Pas touché, hein, je suis mort, carré. Ah, il me l'a mise la graine, frère. Mais il me vole tout mon chakra, frère. Au palais, tu vois, vous allez vous faire éclater. Ah mais j'ai plus rien. J'ai plus rien, frère. Demande à ce que tout le monde soit devant le palais, je crois qu'il va charger de venir chercher un peu tout le monde qui était au terrain. Ah ouais?
rien du tout. Ça fait... Mais ah, non, ça tank. Yamanaka. Ça tank, ça tank mes trucs, frère. Ça tank mes ombres de la feuille morte, le scalpel, j'ai pas de chakra, frère, il me vole tout. Je peux pas jouer, frère, il me vole tout, chef. Regardez, frère. Ah, je peux pas tant qu'il est pas chargé, ok. T'en supplie, pars! Ah, mais frère. Chef. Chakra chef. M'a tout volé chef. Enfin, c'est... En général les gens quand je le fais en deuxième ils arrêtent. Ah j'ai bien mis la feinte au début. Ah, je peux pas charger mon chakra, j'ai ces graines de merde qui m'empêchent. Même pour m'escape. Un second, donc... okay. C'est qu'il pose des graines en fait sur le sol et après si je vais dessus. Ah. Laisse tomber en fait je peux pas lui. Aïe. Beaucoup bas. Beaucoup trop dur, j'ai du mal un peu. Les graines, elles m'absorbent tout mon chakra. Et je sais pas comment faire. Je peux mettre une graine là, juste à côté. Je sais pas si vous êtes au courant. Okay. On est convoyés devant le village. Ah, voilà, vous êtes en train de combattre encore. C'est vous qui l'avez. Ah ok, attends, voilà. Est-ce que tu peux mettre, toi aussi, tu peux mettre une graine par terre. Ah ouais, je vais voir si on peut les voir. Genre la zone elle représente quoi? La zone elle représente quoi? Ouais tu vois... Ah ok, et attends... Ah ok, et... Ah et là, oh là ça compte comme ça... de graines par terre. Est-ce que tu pourrais quadriller la zone dans laquelle si je m'approche de la graine, je... C'est vous, je vais la mettre, attends. Regardez. Elle est ici, ok? Donc là, regarde, je vais te faire en rond, je vais te faire la zone délimitée. Donc il y a des limites, ça c'est... ça. Tout ce qui est derrière mon dos là. Ouais. Je tourne autour, ça c'est la graine de Mokuton. Ok. Elle prend cette surface. C'est-à-dire que là je vois donc la tige rentres. Par terre. Si là, je pense... là oh. Regarde, voilà, là tu rentres. Ah ouais, et ça envole du chakra. En fait le souci c'est que normalement toi t'es censé la voir. Si tu la vois pas, c'est qu'il y a un souci de ton côté. Bah je vois que la tige comme tout le monde quoi, mais je la vois pas entièrement.
Non, normalement tu vois une sorte d'ombre noire. Non. Vas-y, vas-y, vas-y. Je la vois pas. Bon. Attends, regarde vers moi. Ah bah t'es le seul qui l'a pas en fait. Tu vois pas là? Non, je vois rien du tout. Mais il y a deux secondes, je la voyais. Il y a deux secondes, je la voyais, maintenant je la vois plus. Non, mais là en fait elle est non, trop rentrée dans le sol. Ouais. Non, vous la voyez pas, mais c'est propre graine. Non, mais avec mon Sharingan, je la vois pas. Moi je la vois là, je la vois. Oui, là, je vois. Oui, non, mais ouais, mais. Ouais, mais je veux dire. Tu vois la graine, mais genre ici, là où t'étais. Non, normalement tu vois une ombre. Normalement tu vois une ombre. Non, je la vois. Normalement tu vois une ombre. Je veux dire, normalement avec mon Sharingan ou bien avec. Non, non, tout le monde. Tout le monde voit une ombre normalement. Tout le monde voit une ombre. Ah, tu la vois là ou pas? Moi je la vois là. En fait, ouais, ça dépend de. Moi je vois l'ombre. Là, elle est toute là, elle est toute. C'est tout le cercle là. Ah non, moi je la vois pas. Ah. Non, je la vois pas, je la vois pas. Bref, mais dans tous les cas, c'est légitime, hein. Toi, vous savez. Ouais, ouais, bien sûr. En vrai, en la voyant, ça pourrait m'aider, mais ça reste très fort. Sur le champ de bataille, ça sert à rien, c'est juste en duel en fait. Parce que souvent, sur le champ de bataille, c'est les deux personnes. Ah ouais, donc tu risques de voler du chakra à tes coéquipiers. Les alliés, ouais. Oui, voilà, un allié. Ah, j'imagine que ça sert à rien. Ouais. Ah, par contre, j'en vole pas hein, au cas où, hein. Ça m'en donne pas. Hein. Ah, ok. Mais moi, ça m'en donne pas. Ok. Ah, mais. Attends. Tu peux mettre une graine par terre, juste j'ai besoin de vérifier un truc. Kikaku, viens, on fait un combat. Là, je t'ai mise. Non, non là, pas maintenant, maintenant. Il faut que je fasse quelques trucs. Vas-y. Après, en fait, je vais tester des. Je vais tester une autre nature. Comment ça s'appelle Futon. Vas-y. Ok. Ça m'a absorbé la moitié de mon chakra. C'est vrai que c'est bien, mais. Après, c'est difficile à caler des fois. T'inquiète, Martin, ils vont se nerf. Ouais, en champ de bataille, c'est pas plus. Gêné qu'autre chose. Partons, ils vont te nerf, frère. T'as mis je sais pas combien de rôles. Arrête, t'es pas censé rester dedans. Mais non, mais une fois que tu la proc, les gars. Une fois que tu la proc, hein. Ah, il mérite. Dragon plus graine. C'est mérité, frère. C'est normal, les gars. C'est 0,01%. Le Mokuton dans l'anime, c'est un truc de ouf. Mais il y a personne devant le palais. Respect. Ouais, c'est au tribunal que ça se passe, Mazaro. Ok. Ouais. T'as changé de coupe, t'as changé de tenue, t'es un nouvel homme. Ouais. Y'a quoi au tribunal là? Le jugement de Shigeru Yamanaka. Je suis Genin confirmé. Ah, respecte tout le monde, bien sûr. Moi aussi, on est tous des Genin confirmés. Moi aussi, on est Genin confirmés. De Konoha, je dépose mon équipement, bien évidemment. Oula. Dépose tout, s'il te plaît. En tenue tactique. Voilà, parfait. Et tu peux signer le Kakunin Kage. Si vous pouvez rentrer. Pas des gens de ma famille là. J'espère qu'ils vont avoir. Shigeru, il veut revenir au village ou quoi? Le plus gros défaut, c'est le manque de chakra. On est des jutsu, créer quelque chose que tu pourrais essayer de faire en sorte de bouclier d'eau, comme les boules Shakuten. Chaque personne qui te frappe se fait drainer son chakra. Spell shield, en situation de guerre, c'est fort car je récupère beaucoup. En 1v1, personne recule, donc tu peux régène. En vrai, c'est une bonne idée de jutsu, mais je vais pas le faire. Jusque là, là c'est result oriented, parce qu'on affronte le Mokuton. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Qui est Shigeru pour vous, les Yamanaka?
Ce bavard pour rien. Non, voilà, c'était une bonne idée, frère. Je te jure, c'est la première suggestion de Jutsu à créer qui, je pense, pourrait passer normal. Genre, vraiment, il pourrait le dev normal et que ça serait intéressant et dont on pourrait être fier. Arrête, faudrait que ça mette des dégâts aussi. Mais du coup, non. Du coup, non, parce que là, c'est trop result-orienté. Les gars, je pense vraiment que je vais... J'ai limite envie de prendre les deux genjutsu. Hein. Parce que là, je vais m'entraîner à Materatsu. Le plus de CCG, le mieux c'est, frère. En fait, il me faut le stuff de base. Et une fois que j'ai le stuff de base... En fait, déjà, je pense que je mets sous anneau. Et comme ça, je l'enlève. Avoir Toru pour sa méada un peu, non. Je pense que vu la personnalité de Toru, aller le voir tous les jours pour lui dire « Ça va comment, Toru ?» Sa méada, elle est belle, hein, nanani, c'est le pire truc à faire. Je suis pas pressé, j'attends juste de voir ce qui va se passer. Le stuff de base, Kagami, un setup solide. Ouais, je sais pas, tu mets quoi. Kotaro. De quoi? Y a de la place là-bas? Y'a de la place? Y'a pas de place là-bas? J'ai une au village en pleurs. Je pensais pas qu'elle allait rentrer aussi vite. Et si sa mission est finie, sa mission est finie. Zafiro et Zangetsu, vous pouvez pas vous décaler un peu sur la droite histoire que je puisse avancer s'il vous plaît. Il y a notre camarade ici qui est un peu trop. Ah, je sais pas. Hey, mon ami, non, vous inquiétez pas. Demande à Ryumen de le suivre à gauche au pire, non? Non, mais si Zafiro se déplace un peu sur la droite, alors là. Voilà. Ouais. Pourquoi t'as un air sérieux comme ça? Ryumen un peu sur la gauche? Alors que j'ai un clown. Je crois. Alors que quoi? Alors que... Parfait. Alors que t'es... Oh, salut Ashina. Ça, tu coules ta... Répète Ashina. C'est pas particulier. Ça va Ashina? Ça faisait trop moche Ashina, je vous jure. Ah ok. Bah, parce que c'est important là, y'a des gens qui vont mourir. Vous parlez, c'est la tenue des Uzumaki... Tu as déjà eu côtoyé Shigeru Yamanaka? La de la tenue des Uzumaki... Ah ouais, au moment où je suis à l'académie... Il était très influent au village. Tu parles de qui? C'est Shigeru? Ouais. Ouais, Shigeru. Ah, merci. Moon, c'est un défi, ta coupe. Tu m'as pas expliqué hier. Si, moi, t'as vraiment dû m'avoir laissé. Ah oui, ouais. C'est vrai. Mais ça va bien, je crois. Ah ouais, envoie tenue. Très bien, vous, Sensei. Arrête de mentir, Madoro, s'il te plaît. Je lui jure, ça lui va bien. Parce qu'en fait, ça colle bien à sa personnalité. Moi, avoir enlevé mon bandeau et avoir lavé là. J'aime bien, j'aime bien. Récupérer dans 2-3 jours dans la rivière Konoha. Le poncho, ouais, parce qu'il commence là, vraiment... Bandeau, là. Non, le poncho, non. Bandeau et poncho. Bandeau et le poncho. Ah, ok. Le poncho, j'ai enlevé mes affaires. Commence à devenir solide, comme un mur d'automne. J'en ai des larmes. Ouais, commence à devenir... De passer de T56, là. C'est quoi cette chine de merde, là? Ashina. Merci, Mazza. Un problème? Moi j'aime bien sa tenue. Vous êtes trop moche. Merci, Mazza. En fait, Ashina a tenu ne pas forcément quoi, aller avec cheveux à vous. Eh, mais vous savez que même si vous aimez pas ma tenue, c'est pareil, hein. Oubliez pas c'est qui gagne sur le champ de bataille. Non, mais en oubliez fait, pas ça, c'est le plus important. À ouais, Konoha. C'est Konoha qui gagne. À Konoha, on fait que de parler de coupe de cheveux, de tenue, alors qu'Ami il s'entraîne pour nous tuer. Ouais, les gars. Eh, Ashina, t'es vraiment pas ce Uzumaki. Ouais, je sais, ils perdent quand même. Non, c'est Uzumaki Ashina. Bientôt, ils vont gagner. Non, tu n'es pas trop Uzumaki. Lâche ça. C'est vrai qu'on se relâche trop. On va faire un entraînement après. Ashina, vous vous rappelez hier ce qu'on a fait? Je pense pas qu'on se relâche. Ouais, le level up. Oui, c'est vrai. Oui, pardon. D'ailleurs, Drew. Oui. Il y a Oka qui est dans la partie aussi, hein. Là, pour le moment, on est que 4. Ah oui? Il y a personne qui a réussi à aller au plus haut. Ah non, il y a Satsujin aussi. Ça veut dire qu'on est 5. Je suis le plus haut pour l'instant, non?
Ouais, t'es plus haut. Je crois que je suis le deuxième. À 42. Si, ouais. 42 quand même. Oh non, en une soirée j'ai fait 35 une fois. Oh non, c'est vrai, juste c'est. Vas-y, c'était. Oh, lâche le nom. Et si on tèche pas le jet d'eau, frère? C'est qui le nuit Barry, c'est ma rigole, hein. Mais non, il a nuit Barry. Vas-y, lui, épée légendaire de son grand-père, nuit Barry de son père. Putain. Mina quoi? Il a dit quoi? J'aime bien le jet d'eau. En vrai, c'est pas mal. Arrête, je pense que c'est temporaire, non? Ils ont pas décidé encore. Ah oui, c'est vrai ça. La zone d'eau, c'est trop loin, les gars. Yoru Yamanaka, en gros, je crois. Ah, c'est bien. Très bien. Ça va être un jugement en fort intérêt. Mais. Les gars, est-ce que j'interviens? Est-ce que j'interviens dans le jugement pour essayer de le sauver? J'ai économisé toute ma vie, j'ai vendu toutes mes tenues pour ça. Tu vas pouvoir expliquer à Aoun comment toi changer de coupe tous les jours. Écoute, super, je pense. Ah, vous voulez une tenue à Chino? J'ai la même taille de cheveux, c'est juste que. Non, ça va. Un jour j'attache, l'autre jour j'attache pas. Aujourd'hui j'ai mis du produit. Mais c'est après, hein. Des fois, je mets pas de produit. T'as commencé ton entraînement, Ryomen? C'est tout le temps la même coupe, en même temps. Ouais, j'ai commencé mon entraînement. Ça marche, Mazaru, ça marche. Ramoun, c'est quand on fait l'expédition des singes? Officiel de Seifu, moi. Franchement. Mazaru. Pour l'instant, je suis qu'à la théorique, mais ça se passe bien. Je comprends bien mon leçon. Peut-être qu'à l'avenir. Je pourrais vous ressembler. On va avoir eu de bonnes nouvelles. Ah oui? J'ai tellement hâte pour toi. Écoute, je l'espère et je te le souhaite, Ryomen. Moi aussi. Je suis un peu dans ma bouche, c'est pour ça. Ramoun content. Attends, je vais d'un problème. Tu fais quoi, toi? C'est quoi, ça? Eh, aucun. Tu cries sur tous les toits comme quoi je mange beaucoup. C'est quoi, ça? Quand je fais des choses, mais tu fais pareil. Tu crois que t'es ramé? Ouais, mais... C'est vrai qu'Achla, il fait que de manger. Ryujin, il se balade avec, tu dis rien. Bravo, RP, avant ça, lâche ça. Ouais. T'as raison. Non mais les gars, là mon perso, voilà. il est un peu stressé, 1-0. Bizarre RP, hein. C'est 0-1, ouais. On va tuer le Daimyo bientôt, là. Ça se trouve, demain, c'est moi dans le tribunal. La tenue Chunin. Mais moi, je suis un ouf, moi, je suis un mec de clan. Je vais devoir être... Ça m'a dit tenue tactique. Je vais devoir réaliser avec... Allez vous faire enculer, moi, je suis un Uchiwa, frère. Ok. Tiendra au courant. T'as raison. Hop. Je pense, les gars, si un jour je suis derrière les barreaux, je vais envoyer un discours tellement clutch. On a grandi ta taille. Non, je suis un petit frère. Éteint. La moi, j'ai des épées, c'est bizarre. Si un jour je suis au tribunal, je vais être tellement clutch dans mon discours qu'ils vont me laisser partir. Ouais. Éloquence de fou. Ils vont me réintégrer au village, ils vont me mettre au Kage, okay. Carrément. Bon, il est où ce... la Shigance là? Shigance Yamanakas. Je sais que je suis beau, Wamun. Ça commence à être long là. Mais vous n'avez rien dit, Kinkaku. Non mais je sais que je suis beau. Vous me regardez depuis tout à l'heure. Ah non, on m'a pas regardé. Attends, le jet d'eau, c'est 9 points. Là-bas, là. Bio, là-bas. Deux. Bizarre, hein, Wamuna. Attends, il y a les bulles, il y a la prison aqueuse, et après, il y a le jet d'eau. Donc, c'est 9, 11, 13 points. C'est 13 points. On pourrait réinvestir. Il faut 3, 2. Un bon moment, hein. Ouais, j'étais parti. Deux semaines, ouais. Putain, je le jet d'eau, autant enlever le Sweeton. De... Ouais, en attendant, je mets une nature de chakra. Fini ma mission. J'ai pas assez de points pour ranger une deuxième, en vrai. On a perdu à cause de mon escouade. Ils étaient incompétents. Ah ouais, à cause de... Le Raiton sert plus à rien. T'es un ouf, ça me fait plusieurs combos différents. Heureux que toi être revenu sain et sauf, Kinkaku. Ah ouais, comme ça, c'est bien, je trouve. Hein. Le jet d'eau, il est pas si mal. Hein. Ah oui. Comme vous dites. Après, on sait pas pourquoi tu fais l'aveugle sur Zondo. Parce que enculé, ça me coûte trop de points, frère. Mais respect.
Respect. En plus, je rends pas ça si fort que ça en vrai. On commence par Shigeru. J'essaie de planer. Tu la mets, le mec il sort direct. Ça va te permettre de régénérer ton chakra quoi. D'ailleurs, faudrait la ramener. Hein. Renji ne pourra pas être là. C'est aussi. Ah oui, Ginkaku. Ouais, c'est bien de temporiser en vrai. On sait bien. Je pense, sois pas biaisé par le fait que t'as affronté un Mokuton. Non, je suis pas biaisé par ça. Elle est belle votre épée, Toru. Merci. Mais là, dès que j'ai un Amaterasu là. En fait, dès que j'ai un Amaterasu, j'aurai trop de combos de CC. Si je touche la boule d'énergie, Amaterasu. Si je touche la panthère, Amaterasu. Si je touche l'ombre de la feuille morte, Amaterasu. Après, je vais faire boule d'énergie, ombre de la feuille morte, Amaterasu. Lâche ça de quoi? Qui a dit ça? Tu vois les mecs comme ça qui viennent dire elle est belle votre épée, sensei et tout. Ils vont pas la voir, chef. Ils vont pas la voir. Je le dis. Je suis pas psychologue, mais j'ai su reconnaître la personnalité. J'ai su reconnaître la personnalité de Toru, tu vois. C'est un mec plutôt réservé et tout. Lui s'est rendu. Et après Kojin, je pense. Jugement de Kojin. Je vais aller me chercher mes pattes, frère. On va grailler, frère. Voilà. Bah, du coup. Putain les mecs, j'ai l'impression d'être un Werisu. Il y a un membre de ma famille qui va être sur le tribunal. Oui. Je pense qu'on va avoir le droit de mettre son poncho. Oui. Mamoun, si tu mets ton poncho, va de l'autre côté, s'il te plaît. Je rigole, Mamoun, je rigole, c'est pas grave. Super drôle, Mazaru. Je vais concentrer. T'inquiète, c'est pas grave. Tu peux le mettre, ton poncho, c'est pas grave. Il te va super bien. Concentre ton nez, chakra, tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais malaxer du chakra dans mon nez. Wamun, Ryu et Risu, c'est les seuls. C'est les fondamentaux de Konoha, frère. Sans ces mecs-là, je serais déjà dans le pays de la pluie. Hors Maka, bien sûr. Maka, c'est la famille. Ouais. Viens deux secondes. Tu peux venir deux secondes, s'il te plaît. Avec sa mère, c'est mal écrit, mais je suis en train de grailler, voilà. Mais reculé. Mais respect à toute cette assemblée. Mais respect, Shigeru Yamanaka. Les gars, est-ce que j'interviens pour le sauver, Shigeru? Enfin, j'essaye. J'espère que tout le monde se porte bien.
Ne perdons pas plus de temps. Si vous le permettez, j'aimerais me présenter avant de passer au chef d'accusation. Très bien, allez-y, Shigeru Yamanaka. Très bien. Je suis donc Shigeru Yamanaka, le précédent chef du clan Yamanaka et un ancien Junin de Konoha. Au sein du village, mes tâches étaient nombreuses et m'ont permis de faire des choses horribles au nom du village, encore une fois. Je suis venu ici répondre de mes accusations, paraître sous la loi, comme chaque ninja ici devrait le faire. Très bien. En fait, j'ai pas envie. Connaissez-vous, j'ai besoin de lui parler avant qu'il meure, surtout. Shigeru Yamanaka. Je vous écoute, votre. Connaissez-vous les faits qui vous sont reprochés, Shigeru Yamanaka? Mais il a dit je vous écoute, wesh. Non, je ne vous écoute, votre honneur. Très bien, très bien. Alors, pour commencer, il y a le fait que vous ayez hébergé plusieurs des déserteurs de Konoha quand vous dirigez Yakuza. Et vous êtes aussi accusé d'avoir participé à de la corruption quand vous étiez membre du haut commandement à Konoha. Et bien sûr, nous avons quelques questions à vous poser. C'est fait. Très bien. Je vous écoute dans ce cas-là. Quelles sont les questions? Et quelles sont les preuves? C'est Jawad. Alors, première question. Avez-vous participé à de la corruption quand vous étiez au sein du commandement La corruption. J'aimerais que vous reprécisiez le terme corruption et sa définition, histoire qu'on soit sur le même point de vue. Très bien, très bien. Avez-vous agi pour vos simples intérêts et pas pour les intérêts de Konoha? Non, aucunement. J'ai toujours agi pour Konoha, mettant mes propres intérêts de côté et me sacrifiant ma personne en tant que fier ninja de Konoha. Yeah. Mais je vais reprendre le tribunal. Bien, Wamun, Kazu, écartez-vous un petit peu pour me laisser place. Kazu sur la gauche, parfait. Merci. Vos petits tours de passe ne fonctionneront pas avec moi. Reconnaissez-vous avoir participé à la manipulation du haut commandement de Konoha lorsque vous étiez membre de ce haut commandement? Qu'entendez-vous par manipulation du commandement? Eh bien, vous avez placé Shigi Yamanaka en tant que Hokage et vous avez pris les décisions dans l'ombre, faisant passer ça pour les décisions de Shigi Yamanaka. Je réfute entièrement ces propos. Shigi a agi. Vous réfutez. Et je n'avais pas cette influence au sein de Shigi. Pourtant, Shigi m'a avoué le contraire. Du temps de Shigi devait être amené à la barre pour. Pour aller dans le vent, étant donné que Shigi m'a avoué. C'est vous-même qui l'avez placé là. Je pense que là, j'aimerais que vous ramenez Shigi en tant que témoin. Mais ce n'est pas moi qui ai pu placer Shigi. C'était la décision de tous. Mm-hmm. Le clan de l'époque l'avait voté en tant que Hokage. J'ai voté Shigi. C'est plus d'une manipulation, Shigeru. Et de faire croire aux gens que si on eu. Leur libre arbitre. Mais ce n'est pas moi qui organisais ces votes, c'est le maître Hokage de l'époque, Kano Yamanaka, qui a décidé d'élire Shigi. Les votes ont lieu. Les preuves et les traces peuvent être récupérées. Et je n'avais pas cette influence que pensais que j'avais à l'époque. J'ai placé Shigi. Shigi était le digne Hokage à ce moment-là. Il était voté par tous. Il n'y avait pas de contestation. Mmh. Très bien, je vais prendre note. Bien, je vais vous poser une question à Shigeru Yamanaka. Il se défend bien ce bâtard. Déjà avant ça, je me présente, Ryuji Takari. On a eu l'occasion de se parler énormément de fois depuis que je suis ninja, cependant, peut-être que vous ne me reconnaissez pas. Sachez que je suis le 9e Hokage. Et je vais vous poser une question pour être Hokage. Et félicitations pour votre prise de pouvoir. Merci bien.
pourquoi, lorsque Renji Senju a été élu Hokage et donc a pris la succession de Shigi Yamanaka, pourquoi avez-vous disparu? Aviez-vous quelque chose à vous reprocher? Oh. À vrai dire, j'avais connaissance de complots qui se fomentaient au sein du village. Des personnes qui souhaitaient ma mort. J'étais à Yuki à ce moment-là, lorsque Shigi a été destitué. Et les ninjas, comme Mugen, sont venus me voir, me posant des questions. Je n'avais pas quitté le village. J'étais simplement à Yuki en tant que gouverneur de Yuki, car c'était mon poste. Et Mugen ainsi que d'autres ninjas m'ont fait part d'une nouvelle alarmante. Apparemment, de ce que dit, Shigi avait été destitué de ses positions. Et Kaku avait dit sur la place de Konoha qu'il souhaitait ma mort. Bonhomme. Donc je suis parti, comprenant alors que j'étais battu au même titre que Shigi. Précisément, mais en tant que conseiller de Kakunara, est présent sur le lieu lorsque Kaku a demandé à Shigi. Les gars, Kaku dit qu'il a envie que tu meurs, bizarre là. Absolument, on parlait de vous, au compère. On a pensé que vous aviez peur de quelque chose. Quelque chose que certains ninjas de Konoha, non, évidemment, mais que certains vous reprochent. Et on aimerait tirer les choses au clair afin que tout le village soit au courant de ce qui s'est passé pour qu'on puisse vous pardonner. Faudrait savoir avant de pardonner. Les gars, la méta... Après, j'aimerais ramener Mugen en tant que témoin. La méta, les gars, rien manger off tour quasiment et tout éteindre après. Je pense que c'est la méta du siècle. Les darons, ils sont trop forts. Et d'un membre du clan Anako, comme quoi certains souhaitaient ma mort au sein de Konoha. Allez-y, Mugen. Là, je peux éteindre sans être ballonné, sans rien. Parle de méta pendant le ramadan. Non, mais tu connais la méthode. Ouais. L'expérience des anciens. Je comprenais pas pourquoi mon daron il mangeait pas. Je comprends maintenant. Ça va être long. Merci, Mugen. Manger en famille, c'est mieux. On est en famille, là. Bien, Mugen, raconte-nous tout. Toi qui étais le conseiller de Shigi Yamanaka à l'époque du mandat de Shigi. Eh bien, effectivement, comme vous le dites, en tant que conseiller de Shigeru Yamanaka, j'ai, on va dire, gagner sa confiance, moi, pas tout seul, il y avait également Betroni Werisu. Nous avons donc eu plusieurs conversations avec Shigeru Yamanaka, ce dernier qui se trouve derrière moi. Ce dernier nous faisait Allez, Werisu, de ses pensées, et notamment du fait que il redoutait caissier se moque d'un caissier, hein. Que plusieurs membres du conseil lors du règne de Shigi Yamanaka, souhaitait sa mort. Il nous l'a fait parvenir, en tout cas cette information-là. Et moi et Betroni, nous avons tué cette idée-là. Nous n'en avons parlé à personne, et nous l'avons gardée pour nous, pour ne pas qu'il y ait de problème. Nous en avons reparlé dans la bibliothèque, à Yuki, avec Shigeru Yamanaka, la veille de son départ de Konoha, en tout cas le jour même. Le soir même, ce dernier nous a fait part qu'il quitterait Konoha et irait vivre une vie paisible loin des meurtres, loin du sang, et loin de Konoha en tout cas, vivre une vie de paix, notamment à Kusa. Ok. Donc oui. C'est marrant ce revirement de pensée. Vous savez, Shigeru, même si on ne vous a pas tous connu personnellement, je pense que chaque ninja dans cette assemblée a déjà entendu parler de vous. Il est vrai. Il y a énormément de rumeurs à mon propos, vous y trouverez, Maître Okagi. C'est pour ça qu'on aimerait bien toutes les élucider et comprendre. Pourquoi avez-vous fui? C'était sur une des institutions. Putain, tout le monde qui level up et pas moi. J'ai vraiment peur de certains du conseil ou de ninja de Konoha ou même d'un clan. Je pense que vous le saviez. Un vrai dit. Je vais répondre à cela. Il y avait deux raisons principales. D'abord, oui, j'avais peur de la mort. Et en restant à Konoha, je pensais que j'allais finir par mourir.
comme de nombreux ninjas de Konoha ont fini par mourir également. Et je ne voulais pas mourir. Et la seconde, c'est comme vous l'avez dit, j'ai une réputation au sein de Konoha. J'ai été un ninja, c'est spécial. Et de par mon poste, j'accomplissais des missions que personne n'accomplissait à ma place. Et j'étais fatigué de cela. Mais trop cagué, j'étais fatigué d'avoir ce sang sur mes mains. Alors, j'ai profité de ce départ, de cette prise de pouvoir. Je saurais pas dire. À l'époque, je voyais. Il a toujours été cool avec moi, ce mec. Par contre, on a aucune interaction avec lui. Mais il a l'air trop vicieux, les gars. T'as ce sang, frère. J'ai tendance à voir si cette histoire de membres du conseil qui souhaitaient votre mort, c'était donc la vérité, ou alors un simple prétexte pour fuir Konoha. Non. À vrai dire, à ce moment-là, lorsque je vous en fais part, c'était de propos visés. Ichimazerno qui crie tout de suite, je suis en pleurs. Maître Okage. Ou souhaitez-vous que ce soit une affaire réglée en privé? Je n'aimerais pas accuser des ninjas toujours en poste. Non, accuse, chef. Je pense que nous sommes dans un tribunal et nous sommes en train de vous juger. Je sais qu'il a signé le traité. Après, je ne pense pas qu'il y aura d'après. Donc, allez-y, dites ce nom, on vous écoute. Ou peut-être c'est... Parfait, dans ce cas-là, à ce moment-là, lorsque je vous en fais part, Mugen, ainsi qu'à Sarutobi, mes deux conseillers donc, j'avais reçu des menaces de la part d'Inojin, le jour où il avait quitté mon clan. Il m'en voulait énormément et donc m'avait menacé. Je vois. Vous savez, Shigeru, autant que conseiller, j'ai été naïf, je vous ai énormément fait confiance. Et j'ai, d'un côté, essayé en tout cas un peu de redorer votre blason, mais en vain. Vous avez effectivement tué un nombre innombrable de personnes et fait énormément de mal à Konoha. Même en tant que membre du haut commandement, vous n'avez, je pense, jamais gagné la confiance des villageois de ce village. En tout cas, moi, je vous ai fait confiance. Mais bon, il semble que je me suis... Pensez-vous, Mugen, que j'ai trahi votre confiance en agissant de la sorte? Toutes ces missions et commanditées, toutes les personnes que vous dites avoir tuées, sans forcément de preuves, étaient commanditées, demandées. C'était l'ordre que je suivais et je n'ai utilisé que pour... Pour cet ordre, justement. Je ne suis pas un combattant, je ne suis pas un guerrier guéri. Je n'étais pas utile au sens du conflit pur, de la guerre et du champ de bataille. Néanmoins, je n'avais eu une utilité tout autre au sein du village. Les gars, j'ai bien réfléchi. J'étais le mec s'en bat les couilles. Un ninja avec un cerveau. Et je me servais de ce cerveau pour faire en sorte que la politique interne soit en fait, c'est mieux de garder l'ombre de la fémore pour la deuxième rota. Tout mon règne en tant que conseiller, en tant que haut commandement. La politique fut stable. Je parle ça. Avant cette guerre civile stable. Qui a imposé mon départ. En fait, deuxième rotage, je prends Gedo et Ombre de la Feuille Morte. Excuse-moi, Mugen, je vais devoir reprendre le relais. Je pense qu'on a suffisamment tourné autour du pot. J'allais dire, tout cela n'est personnel. Je vous prierai donc qu'on reprenne ce tribunal. On est là pour juger le cas Shigeru Yamanaka. On n'est pas là pour parler de moi et de nos relations d'antan. Reprenez donc. Parfait, donc on a parlé du cas de votre fuite lorsque Shigi a posé le chapeau. J'ai commencé par ça car tout le monde était au courant. Cependant, Shigeru, vous dites que vous avez maintenu la paix, mais à quel prix? Est-ce que vous l'avez fait de manière juste ou de manière cruelle? Le problème, c'est que personne ne peut parler du traité là. M'a légué le 8ème du nom. Je suis Ichimazerno! De nombreuses choses. De nombreux de bruits. Il y a quelque chose que Shigeru n'a pas mentionné! Ces accusations sont de manière plus forte. Il a signé un traité avec tous les autres villages pour tuer les Uchiwa! J'aimerais bien surtout que si on peut trouver un accord à l'amiable après ce tribunal, j'espérais que vous soyez juste et vrai à moi, que je puisse vous croire, que vous me dites toute la vérité, histoire qu'on laisse le passé de côté et qu'on puisse voir un avenir entre le juge de Konoha et son ancien conseiller Shigeru Yamanaka. On la voit. Totalement honnête, faire des sacrifices pour le village, c'est compliqué. J'attends vos questions vis-à-vis de ces différentes accusations. Certaines sont vraies, certaines sont alors.
je vais commencer. Je vais commencer pour le cas de Missa Yuga. D'après les informations que j'ai pu avoir, vous êtes lié directement à savoir. Vous confirmez ou pas? Selon ces informations qui vous font croire ça. Non, ce n'est pas la question qu'on vous pose, c'est êtes-vous lié à la mort de Missa Yuga, oui ou non? Affirmatif. Gamma, il veut en découdre, frère. C'est oui. C'est oui, pourquoi? Quelle est la raison? À ce moment-là, Missa Yuga avait compris comme il... Gamma, les gars, il veut tuer. Elle avait livré sa propre fille, Yuri Yuga, à la pègre, en échange du corps d'Awa Yamanaka, pour quelques Byakugan. Elle souhaitait être le prochain ermite Lima, et pensait que le corps d'Awa Yamanaka lui permettrait de l'être. Alors elle était capable de livrer sa propre fille, ses Byakugan, pour faire en sorte de récupérer le corps d'Awa Yamanaka au sein des mains de Mugetsu, un éminent ninja de la pègre à ce moment-là. Cependant, alors je l'ai arrêté avant qu'elle continue. Comment? Oui, Yuri Yuga avait encore ses Byakugan à ce moment-là. Elle était jeune. C'était une enfant. Bien. C'est quoi, elle voulait le Byakugan éternel ou quoi? Parlons de Name Senju, qui a été retrouvé mort dans un sac avec des résidus de glace sur le corps. Et de à notre époque, à cette époque plutôt, moi j'étais encore très jeune, mais pour vous, à votre époque, vous étiez le seul utilisateur de Yotan de glace dans le village, il me semble. Vous dites Kaname Senju, c'est ça? En effet. Je n'ai fort heureusement rien à voir avec sa mort. Vous pouvez l'attester par l'honneur dans ce tribunal? Je l'atteste par l'honneur dans ce tribunal. Et je n'avais aucune raison d'attester à la mort de Kaname Senju qui ne contribuait pas à une menace pour le village. Bien, parfait. En tous les cas, pour son cas, c'était quelque chose dont je n'étais vraiment pas sûr. J'apprécie que vous soyez honnête pour Missa Yuga et maintenant pour Kaname Senju. Maintenant, nous allons parler d'un cas un peu plus compliqué qui est celui de Ashura Senju. Je pense que vous en savez. Là, je suis tous les Senju, c'est mon frère. Je pense que certains ninjas dans cette assemblée s'en souvient, car ce n'était pas très long. Et juste avant le mandat de Renji, qui Ashura Senju d'ailleurs est le père de Renji Senju. M'autorisez-vous à raconter l'histoire entière à propos d'Ashura? Allez-y, je vous écoute. Très bien. Même si je connais son passif. Mais c'est un monstre, il a combien d'RPK à son actif? Certains le savent ici, avait trahi Konoha pour rejoindre la pègre, qui avait mené à la mort de Seto Senju. Le clan Senju avait donc une haine particulière envers ce dernier, descendant directement de Karasuma, le quatrième Hokage, pardon. Néanmoins, lorsque Konoha a fini par capturer Ashura... Comment? Quel membre des Senju a voué une haine pour Ashura? Le clan Senju à l'époque, le chef de clan à ce moment-là est Katsuro Senju. Je reprends l'histoire de Zero, si vous le permettez. Dans ce cas-là... Il semblant d'être choqué, mais ne comprend rien. Ashura avait été retrouvé. Il avait été emmené au conseil. Le clan Senju y avait été invité car ils avaient un lien particulièrement avec cet homme. Alors, ils ont voté pour le tuer. Néanmoins, j'ai trouvé ça dommage de tuer Ashura de cette manière. Alors, avec l'aide du chef des forces spéciales de l'époque, nous avons fait croire à sa mort. J'ai utilisé des techniques de mon apprentissage pour faire en sorte d'effacer sa mémoire et de lui faire devenir quelqu'un de nouveau. C'était un plan qui était commandité par l'ancien chef moi, le Hokage et des forces spéciales de l'époque. Nous avons pour but de créer un ninja puissant qui pourrait nous aider à regagner la guerre face à Ame, à l'époque en tout cas. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que ce ninja ne s'est pas montré assez fort et vous l'avez tué bien après... Laissez-moi finir, maître Hokage, je vous permets. Ensuite, pendant que j'ai été capturé par l'ermite serpent pendant 2 ans, mon influence et du coup ma technique s'est doucement effacée
Ashura a donc fini par reprendre sa mémoire. Et lors de mon retour, j'avais dû lui faire confiance. Après tout, Ashura Senju à la base était un traître, et de nouveau avec sa mémoire, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il continue à suivre le village. Alors j'ai fait voter sa mort auprès du conseil. Ça a été refusé. Alors, envoyez le Kojin, là. Néanmoins, je ne sais pas pour quelle raison. On dirait un... Shigi Yamanaka a décidé et moi, de remettre le dossier sur la table. Leipzig à Atalanta, et on voit... Il tenait une mission à Ashura Senju. On va voir sa on voit Kojin. Qui n'est pas parvenu à réussir. Cette mission avait pour prix sa vie. Il a échoué. Le Kiki a décidé de le punir de manière publique, étant donné que c'est un traître à la base. Vous voyez, il est là le problème, Shigeru. C'est que déjà, premièrement, pour cette mission, elle est causée pour beaucoup. Elle est... Ah ouais, on en apprend sur le lore, en vrai. Irréalisable, et surtout dans un... Vous lui avez donné ne serait-ce que très peu de temps. Je n'ai pas donné la mission, je n'en connais pas l'objet, malheureusement. C'est entre Shigi et Tetsuya à l'époque. Car de ce qu'on entend au village, c'est vous qui êtes à l'origine de son exécution, et pas Shigi Yamanaka. Ça veut dire qu'il va falloir mettre la vérité sur la table et nous expliquer qui dirigeait et qui a pris cette décision. Shigeru ou Shigeru ? Je vous l'ai dit, c'est Shigi Yamanaka qui a pris cette décision et je l'atteste sur mon honneur. Je n'ai nul besoin de mentir à ce propos. Si j'aurais voulu tuer Ashura, je l'aurais tué. Mais je ne serais pas passé par une exécution publique. Je l'aurais fait comme avec Misayuga. De manière discrète et faire en sorte de faire passer ça pour une disparition. Effectivement, sur ce cas-là, je vous crois. Cependant, donc vous attestez ne pas avoir voulu la mort de... Mais il est où le juge, là, avec la coupe de Madara, là ? Avec cette mission qui lui a été donnée et son exécution sur ce tribunal même. Quoi ? À ce moment-là, je n'étais pas lié à cette décision. J'avais abandonné l'idée de Kojin dans son domaine afin de lui ôter la vie. Il avait même eu un enfant. Et le village le respectait de nouveau. Les gens avaient oublié ce qu'il était par le passé. J'étais que la dernière relique du passé. De par ces 2 ans d'absence qui ne lui faisaient plus conseil, alors j'avais abandonné. Le conseil lui-même avait décidé de le garder en vie. Alors il devait vivre. Vous imaginez, Chico, si je... Pour prendre un exemple, c'est comme si demain, après que vous étiez... Vous les gars, c'est comme ça pour MP quelqu'un. ...et vous avez accueilli Akuza de nombreux déserteurs de notre village. C'est tout comme si on vous réintègre au village, on vous laisse avoir un enfant, l'éduquer, et qu'ensuite on vous tue devant cet enfant quelques temps c'est après. C'est une pure tragédie qui a choisi Senju, je vous le conçois. Vous me mettez dans une position délicate. Moi, je veux que justice soit pour MP. À ce moment-là, nous sortions de... On fait l'examen tuyau ensemble et nous étions des jeunes ninjas. Nous avons subi cette tragédie, nous l'avons observée malheureusement. Et nous avons pensé... Depuis toujours, nous avions pensé que c'était vous. Ça va loin d'aider aussi. Je suis devenu 9e Hokage, je vais mettre un plat. C'est le tribunal, il faut bien faire du contenu, les mecs. Je le fais pour lui déjà, pour commencer. Un peu de l'or. Comme je vous l'ai dit, Maître Kage. Que ce n'est pas vous, ça veut dire que c'est Shigi. Donc on doit régler quelque chose. J'ai toujours été honnête vis-à-vis de cela. Shigi avait pris la décision devant tout le monde. Il m'a simplement nominé pour. Ça lui a dit interviens, demain tu stream pas. Ah non, merde, faut pas qu'il se fasse ban, wesh. Beaucoup pensent que j'avais un contrôle certain sur Shigi. Malheureusement, ce n'est plus le cas depuis un long moment. Arrête, c'est frère. J'ai certes éduqué Shigi comme un père, étant donné que la nôtre est absente. Mais mon influence sur ce dernier s'arrêtait alors. Et à cette époque, il était un fier Hokage. Et mes 2 ans d'absence n'avaient pas aidé en la matière. J'étais plus proche de lui comme j'étais par le passé. Relax, c'est risqué, chef. Et malheureusement, ce qu'il est devenu, c'est peut-être mon absence qui l'a fait. Je vois pas parce que je vais le niquer derrière. Je n'ai pas certainement joué un rôle certain dans la mort de Renji. Néanmoins, je pense quand même avoir joué un rôle dans le fait que Shigi ait agi de cette manière. Quelle tragédie, en effet. Je vais te niquer aussi. Je m'appelle... Hé, j'ai rien fait, moi, chef. Vous l'avez entendu.
Personne ne m'empêchera d'être Zerno. Arrête, il le fait bien, RP parlant, dès qu'il... Une dernière chose à se dire, si vous le permettez. Plutôt que ce soit, plutôt que ce soit juste un dialogue entre moi et Shigeru Yamanaka. Allez-y, Shigeru, je vous écoute. Pendant cet exil, j'en ai profité pour voir le monde tel qu'il est. J'ai appris, et j'ai besoin de ce ninja que j'ai été par le passé. Je ne vous dis pas ça pour prendre votre compassion, pour que vous compreniez la raison de ma venue ici. Shigeru était un ninja horrible, malsain. Il représentait lui-même l'ombre qui plane sur Konoha et sur tous les vilains ninjas. Ce n'est pas parce que je disparaîtrai que les tâches que j'accomplirai laissées par le passé disparaîtront également. Non, encore une fois, elles continueront à agir. Le problème n'est pas dans Shigeru, n'est pas dans la Kage, ni dans le haut commandement. Il est au sein du monde ninja. Et tant que le monde ninja actuellement existe, tant qu'il est ainsi, alors ce genre de ninja continuera d'exister. Et continuera laisse mon rêve tranquille, toi. Je ne le suis pas devenu. On m'a enseigné à le devenir. J'ai été formé. Pour merci, la Foupe d'F2. Et j'ai accompli ma mission, car c'était elle mon rôle. Maintenant, cet exil m'a permis de changer, de redécouvrir le monde, non pas comme la marionnette que j'ai été Konoha, mais comme un humain, un homme. J'ai accordé un autre, un humain, j'ai réappris un homme. À user de mes émotions. Un Ichima Zerno de mon courage. Et j'ai même fondé une organisation qui a pour but de clamer haut et fort que la paix est possible. Et nulle fois, même pas une seule fois durant mon exil, j'ai porté atteinte à Konoha, ni même aucune haine. C'est faux! Je ne vous en voulais pas vis-à-vis de la situation posée. Je ne vous en voulais pas pour ce que je pensais honnêtement. Quand il parle trop bien, faut le libérer quand même. J'aurais quelque chose à dire! C'est vous là-bas! Dans cette cage! Ichima. Si t'as quelque chose à dire, ne crie pas et descends et dis-le devant tout le monde. Comme un pire ninja, montre-toi. Allez. Et me fais pas honte, s'il te plaît. Go. Vous! Je ne sais pas qui vous êtes, ni d'où vous venez, ni de quelle famille vous êtes issu. Mais de la part d'ensemble villageois, des ruelles de Konoha, je peux assurer devant toute cette assemblée que vous ne possédez guère la volonté du feu. Il va sûrement. Et que tous vos mots doux n'arriveront à faire dormir personne. Incroyable. Sur le traître que vous êtes devenu. Ichima. De la part d'Ichima Zerno, le commandant Genin. Je vous condamne. J'ai une question à vous poser. J'aimerais revenir dessus. Oui. Le goat. Ichima Zerno, tu dis que je possède la volonté du feu. Qu'est-ce que la volonté du feu pour toi? Trop tard, on m'a dit de remonter, désolé. Ah non. Réponds ta grand-mère. Je vous condamne. Être Hokage, j'aimerais rajouter quelque chose aussi, si vous me le permettez. No weighing. Pour ma part, je vais aller à l'opposé de ce que dit Ichima. Je n'ai pas je n'ai pas l'audace de dire que je connais Shigeru. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu l'occasion de lui parler parce que j'avais demandé justement au commandement, juste avant que vous soyez Hokage, maître Hokage, tout simplement à ce qu'on me retire mes émotions. Je leur ai demandé à ce qu'on m'aide parce que j'avais eu beaucoup de mal avec énormément de choses. Et on m'avait justement redirigé vers ce Shigeru Yamanaka. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a refusé du coup de faire cette expérience sur moi. Et qu'il me disait que ça ne valait pas le coup, qu'il avait ruiné sa vie, qu'il regrettait, qu'il avait énormément de remords à cause de ce qu'il avait fait par le passé. Donc je sais pas s'il m'a dit la vérité, mais en tout cas, il avait réellement regretté ce qu'il a fait. Donc j'aimerais bien que vous essayiez de l'écouter, peut-être, je ne sais pas, de trouver des façons
Enfin, que vous lui laissez un délai, quoi. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression que ce n'est plus la personne pour laquelle vous jugez aujourd'hui. Après, si vous voulez le juger, évidemment, si vous voulez même le tuer, ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, je vais à l'opposé de ce que Ichi m'a dit, parce que bon, il disait vraiment n'importe quoi, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire, Maître Okage, et les membres du commandement, du coup. Ah, merci pour ce témoignage. Mais attends, si je peux me permettre, ne pars pas si vite. Qui est la personne qui t'a renvoyé vers lui ? Qui est la personne qui t'a renvoyé vers lui ? C'était... Je sais pas si... C'est une personne qui est là. je vais le dire, c'était... C'était... Je peux vous le dire à vous tout seul, Sensei. Enfin, maître... Non, faut assumer devant tout le monde. Parce que là, il y a quand même tout le village. Ichima, là. Il est où Ichima, frère ? Bah, si cette personne souhaite parler, qu'elle parle, sinon tu me le diras après. Très bien. Allez-y, retournez dans le coin. Avec sa mère, je suis pas là pour... Bien. Dans tous les cas, je fais comme tout le monde. Tendance à vous voir, Shigeru. Peut-être que vous me mentez, mais... Comme la rumeur le dit, vous êtes fort pour manipuler les gens. De ce point de vue, vous avez manipulé le village, le clan, entend toutes sortes de choses sur vous. Peut-être même que vous me manipulez là, ici même, dans ce tribunal. Cependant, je ne vais pas être aussi barbare que l'a été Shigi à une époque. Je vais réfléchir, car je vous ai écouté. Wamun, Mazzaro, vous comptiez parler. Je vous laisse chacun votre tour aller devant Shigeru et prendre la parole. Il y a Akeme aussi. Et Akeme du coup. Après, Mazzaro. Amun prend la parole, malgré que Renji rentre. Village. Moi, être Amun. Moi, avoir vu Shigeru le poncho en 3D. Exil, l'avoir crasé par hasard. Lui m'avoir parlé de rédemption. Et vouloir inculquer un message de paix dans le monde ninja. Incroyable, frère. Lui vouloir fuir le village car il brille dans la nuit. Sentait la mort arriver. Wamun lui avoir dit d'accepter la mort et d'accepter sort à lui. Car un vrai homme acceptait ce que lui avoir fait par le passé. S'en est suivi quelque chose. Je vous entends bien, NG. Shigeru avoir accepté. En tout cas, vous chuchotez. Par la suite, de revenir. C'est le fils de pute qui m'a volé 500k, lui. Et de rencontrer Renji, ici présent, avec le clan Senju. Leur avoir donné rendez-vous. Et leur avoir raconté l'histoire. Qui a avoir un lien avec Senju et lui. Après, je peux pas, c'est pour ça, Wamun vous dit aujourd'hui. Certes, tout le monde le voit comme un traître. Mais ne pas pouvoir reprocher à Shigeru que lui avoir accepté de rencontrer les personnes qui avoir fait du mal. Voilà. C'est le chef pour de Wamun. La section diplomatique. Plus tard. Bien, merci, Wamun. Mais respect, Maître Ichinjuno. Mazzaro, Akeme, allez-y. Eh bien, village de Konoha, j'ai déjà rencontré cette personne, une fois, lorsque j'étais dans de beaux draps. Je venais d'être capturé par l'ermite serpent, puis relâché, dans la panique. Et c'est ainsi que je fus la rencontre de Shigeru Yamanaka. Je crie, ouais. Il m'a accompagné. M'a ramené dans son village, son domaine, et a essayé de prendre soin de moi en m'offrant une chambre, de quoi boire, de quoi manger, et en me demandant de rester quelques jours pour poursuivre un entraînement. Cependant, jusque-là, vous vous dites que ça devait être un bon samaritain, un bon ninja, qui voulait aider quelqu'un de Konoha, mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Lorsque je suis parti m'installer dans cette chambre, et que j'ai fermé la porte. Lorsque je suis parti m'installer dans cette chambre et que j'ai fermé la porte, un ninja m'a prévenu d'un grand danger. Et il m'a ordonné de fuir instantanément les lieux. Ce que j'ai fait sur le coup, en cachette. Donc depuis ce jour-là, je n'ai eu aucun contact avec ce Shigeru Yamanaka. Mais je tenais à préciser ça devant le village et devant vous, Maître Okage. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. J'aurais quelques questions à te poser rapidement, Mazzaro. Oui.
Merci. Ce ninja qui t'a prévenu, tu lui as fait confiance, et est-ce que as-tu vu la menace qui allait arriver? Non, j'ai fui, justement, j'ai fui instantanément. C'est pour ça que je voulais avoir plus de précision là-dessus. J'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis enfui par la fenêtre. D'accord, parfait alors. Tu t'es quand même senti en danger malgré l'accueil de Shigeru. Exactement. Avant ça, je me sentais très bien accueilli par ce ninja. Donc peut-être que c'était une fausse alerte et que ce ninja derrière moi était bienveillant et de bon cœur. Peut-être pas. Allez-y, Shigeru. Expliquez-nous. Dans tous les cas, je vais vous expliquer l'histoire de mon point de vue. J'ai eu Madaro déboussolé par l'ermite serpent. Je l'ai pas vu, la Mekage, il y avait juste la lumière, la musique. Je le sais avec mon ennemi ici. Alors, je l'ai soigné. Attendez, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Quelqu'un m'a parlé. J'ai vu Madaro. Je l'ai pas vu, moi. Moi, je l'ai pas vu. Éteint du fait d'être attaqué par l'ermite serpent qui. Et comme vous tous le savez, également mon ennemi. J'ai vu dans ce jeune homme ce que j'ai été pendant ces 2 ans de torture. Je l'ai ramené à Kusa, là où je l'ai soigné. Je lui ai préparé une chambre. Et lors de mon retour, il n'était plus là. Je ne sais pas qui l'a prévenu d'un grand danger, mais une chose est sûre. Pourquoi est-ce que j'aurais attendu de vous ramener à Kusa si j'estimais être un danger? Vous étiez affaibli. J'aurais pu vous capturer et faire ce que je veux de vous. Je n'avais aucun besoin de vous ramener, de vous torloter. Néanmoins, si vous avez trouvé un danger à mon invitation, je m'en excuse. Eh bien, si on ne m'avait pas prévenu, je serais resté dans la chambre. Mais est-ce que quelqu'un est venu dans le village après que je sois parti? Ou est-ce que vous aviez des invités de prévu qui auraient pu être dangereux? Non, aucunement. Il n'y avait plus que moi et Shinohide d'attaquer à ce moment-là. Et quelques ninjas qui me servaient. Très bien. Bien. J'avais besoin de savoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Shigeru Yamanaka a un certain passif avec l'ermite serpent. Officiellement, il a été emprisonné. Il a été dans ses griffes. Il va falloir... Les gars, je sais... En fait, moi, je l'ai pas vu, moi. On en reparlera à Matsuru et on en reparlera à Shigeru, je pense. Bien. Renji, dis l'Amekage. Du nom. Parce que l'Amekage, j'ai seulement entendu sa musique, les mecs. Il y a vu un slash, il y avait un slash énorme. En toute chose... Dans tous les cas, j'ai oublié au pire, tu vois. Salutations à vous tous et à vous toutes. Je me nomme Renji Senju et j'aimerais rappeler certaines choses. J'aimerais rappeler la place de Shigeru Yamanaka lorsqu'il était au sein même de notre village. Lui qui avait une grande influence, bras droit de l'Okage, Jonin, membre du haut commandement. Il a raison. Les Yamanaka à ce moment-là avaient une forte influence. Kano Yamanaka était l'Okage et Shigi a repris la relève. Shigeru voulait d'une influence. Voulait que les Yamanaka, dominent. Toute influence de clan fondateur ou clan mineur. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont créé une seconde branche. Une branche de serviteurs qui n'étaient là que pour enrichir l'influence politique et sociale du clan Yamanaka. J'aimerais aussi rappeler, il est vrai que mon père Ashura Senju a commis des erreurs dans le passé. Il a déserté notre village pour se venger par pure vengeance. Fou. Néanmoins, il a toujours tenu au courant de toute information concernant le groupe de Nukenin qu'il a rejoint. Il a par ailleurs essayé de protéger le village lors d'une attaque. Et qu'est-ce qu'il a gagné? Il s'est fait exécuter des années après. Des années où il a montré savoir, culture et où il a essayé d'être le plus proche possible de chaque ninja présent dans le village. Il s'est fait exécuter de sang-froid. Par Shigeru Yamanaka lui-même, devant le palais. Il n'a même pas eu le temps de m'adresser ses dernières paroles, ses dernières volontés. Ah, c'était donc ça, la volonté du feu? Buvez. Lorsque Shigeru Yamanaka et tous les autres étaient au pouvoir, il n'y avait aucunement la volonté du feu. Il est con, quand même, du bois comme ça. Ils ne pensaient qu'à par leur propre influence. Et je me tiens ici devant vous avec un sac.
un ami à moi du nom de Kotetsu le Crustacé m'a fait part d'une chose. Et je voulais le montrer devant vous tous. Malheureusement, Shigeru a pris la fuite et je ne pouvais donc pas le montrer devant vous tous et le juger. Voici un sac. Un sac comprenant anciennement le corps de Kaname Senju. Celui-ci a été retrouvé avec de la glace. Et rappelez-moi qui était le seul à maîtriser le lieutenant de glace dans ce village, qui était prêt à le montrer fièrement et qui d'ailleurs a tué Ashura avec ça. Objection ! Je parle bel et bien de Shigeru. J'aimerais aussi vous poser une question. En plus de ce fameux sac, de toutes ces accusations, comment Shigeru Yamanaka, après de longues années, a pu survivre avec l'ermite serpent ? Celui-ci qui avait déjà exécuté nombreux de ses disciples, nombreux des ninjas de Konoha, comment Shigeru Yamanaka a pu tenir autant de temps à l'intérieur du corps d'un serpent ? Des réponses encore, des questions sans réponse, encore une fois. Et Shigeru, vous le saviez, lorsque Shigi Yamanaka a déposé son chapeau et la léga Yuzu Uchiwa, vous avez été le premier à prendre ses portes, à fuir, parce que vous saviez qu'un jugement vous attendait. Et là, maintenant, vous vous tenez devant chaque nous en prenant la paix, en parlant de la volonté du feu. Shigeru Yamanaka, vous avez trahi le peu de confiance qu'on avait chacun de nous. Néanmoins, on a réussi à se relever. On a bâti des fondations solides. Et Konoha s'est relevé de toute cette traîtrise que vous avez faite. C'est une honte. Et j'espère, avec tout le respect, que vous saurez le juger avec le plus d'impartialité possible. Voilà en tout cas ce que j'avais envie de dire. Je vous l'avais dit, Shigeru. La prochaine fois, on se verra. J'ai une question. J'aimerais... Maître, dites-moi. Deux secondes. Un sac contenant du yotan de glace. Nous sommes dans un monde ninja. Il n'y a pas que Shigeru qui maîtrise le yotan de glace. Ça veut rien dire. Je ne pense pas que Shigeru c'est bête pour exposer des techniques et tuer des gens en exposant leur mort par le biais de ses techniques. Bien sûr, je n'ai pas la preuve. Tout ce que je voulais montrer, c'était qu'il avait tué un Senju et que rien ne pouvait le retenir à tuer Kaname. Il a un niveau, ça se voit, il a un niveau d'RP de fou. Que c'est bien lui qui a tué le Senju. Ça se voit, ça se voit. Vous savez, ok, ça reste un attribut héréditaire qui est très rare. J'ai juste voulu le montrer, libre à vous de le prendre en compte ou non. Il est vrai que je n'ai pas plus de preuves, malheureusement, Kotetsu n'étant pas présent, c'est lui qui connaissait le mieux cette histoire. J'aurais bien aimé qu'il soit là, afin de rajouter certaines choses, comme Misayuga. Mais je n'ai pas les preuves aussi. Concernant cette mort. Il n'y a pas besoin de preuves, il l'a avoué lui-même. Misayuga. Il l'a avoué au début du tribunal. Je pense qu'il a donc tout dit. Moi, ce sera tout. Il va pas ce qu'il y a de drôle. Wow. Personne d'un clan fondateur. Réunissez les plaintes que vous avez à mon encontre. Étant donné qu'elles étaient longues, j'aimerais répondre à elles une à une. Bah, c'était pas à moi que vous devez le faire, mais au juge. Eh bien, répondez, allez-y. J'aimerais répondre à elle une à une, mais pour le faire, il me faut les réénoncer. Ça y est, chef. Je vais devoir répéter tout ce que Renji Senju vous a énuméré. Juste les chefs d'accusation, pas les preuves, ni l'éloquence dont il a fait prendre. Le meurtre de Kaname Senju. Le fait d'avoir survécu aussi longtemps à l'intérieur d'un serpent, et le fait d'avoir réussi à fuir aussi longtemps de l'ermite serpent, ce qui peut sembler un peu louche à nos yeux. Très bien, dans ce cas-là, je vais répondre à tout cela. J'ai été torturé pendant 2 ans par l'ermite serpent, 2 ans dans lesquels il trouvait drôle de me mettre dans le ventre de son serpent, comme si c'était ma propre mère. Il s'est servi de moi comme d'une marionnette. Il a fait en sorte de me mettre une marque qui lui permet de voir tout ce que je vois et d'entendre tout ce que j'entends, à son bon vouloir. La première chose que j'ai faite à mon retour, c'est de mettre au courant Konoha. Il y avait une faille dans sa technique, c'est que la télépathie Yamanaka échappe à son contrôle. Et petit à petit, et grâce à mes techniques Yamanaka, j'ai échappé à son contrôle pendant toutes ces années.
Il me cherche encore et cherche à me nuire. Néanmoins, il n'a plus ce contrôle qu'il avait sur moi par le passé. Et j'échappe à son contrôle désormais. Je vais être obligé de poser quelques questions, parce que j'étais très intrigué tout à l'heure quand Mazaru a pris la parole devant vous. Donc Mazaru se fait attaquer par l'ermite serpent, et qui vient le sauver? Shigeru. Pourquoi dès qu'on entend l'ermite serpent, on entend votre nom pas loin? Il était venu me voir quelques temps avant avec Puma, Akusa eux-mêmes. J'étais accompagné de Shinobi d'attaquer. Il m'a donc exprimé sa crainte vis-à-vis de l'ermite serpent. Néanmoins, le fait qu'il parle devant moi, alors que je n'étais pas prêt à entendre, m'a fait en sorte que l'ermite serpent était au courant. Alors j'ai discrètement pisté Mazaru pour voir jusqu'à où il allait. Et lorsqu'il s'est fait attaquer, j'ai fait en sorte de le soigner à mon tour. Il dit vrai. Votre objectif, ben Mazaru. Quel est votre objectif vis-à-vis de l'ermite serpent? Vous souhaitez encore le combattre? Ou alors... Je n'en ai pas le pouvoir. Du coup, vous dites que c'était du pur bénévolat, sauvetage de Mazaru? Comment voulez-vous que quelqu'un comme moi reste de marbre vis-à-vis d'un meurtre qui aurait pu potentiellement se passer face à lui? Il était venu me demander son aide, alors je ne pouvais pas simplement ignorer tout ce qui se passe. Je devais agir. Glisse un papier dans la poche de Mazaru, faut que je te parle après. Bien. Et j'aimerais que vous répétiez ce que vous m'avez dit sur Ashura Senju devant Renji. Que vous avez parlé. Attends, j'ai dit que Ashura est un drame. Et malheureusement, tout ce que je fais, je l'ai fait. La tentative. Je l'ai fait, je l'assume. Entièrement. Néanmoins, son meurtre n'était pas de mon dû. C'était une pure décision de Shigi. On a beau m'accuser du fait que j'avais une influence sur Shigi, ce n'était pas le cas. Elle va parler du traité. Elle connaît pas le traité, ouais. Tout dit sur ce que j'avais fait à Ashura. C'est de ma faute s'il est resté en vie trop longtemps. Mais c'était le projet de Konoha d'en faire une marionnette. Et voilà, frère, ça renflit. En sorte d'avoir un puissant Senju supplémentaire. Zerno, le retour. Ah, il est de retour, Zerno. Mourir. Qu'est-ce qui t'empêche de parler du traité? Ce n'est pas à moi de le faire, mais au chef du clan Uchiwa. Je ne peux pas prendre une décision aussi importante sans avoir l'aval, l'accord de tous les membres du clan. Bien. Shigeru, je trouve que ce tribunal tourne un peu trop en rond. Nous allons donc écourter. Je vais énoncer votre sanction. J'avais quelque chose à dire avant. Allez-y, Kimé, finissez. Allez-y. Gamma, il a envie d'en finir, frère. J'ai une question à poser au ninja. J'aimerais qu'on me réponde honnêtement. Qui ici, depuis l'exil de Shigeru Yamanaka, a été attaqué par ce dernier? Il n'y a pas à sucer comme ça, frère. Oui, il faut pas voir. Attendez. On le juge. Eh bien, moi! J'ai la preuve que Shigeru Yamanaka disait vrai à propos de sa paix. Mon ami Suiteki a infiltré son organisation sous le nom de Singe. Son organisation appelée Fondation. Ce dernier, infiltré à Kusa, a entendu tout ce que Shigeru disait. Et l'ordre de Shigeru était en aucun cas attaquer un ninja de Konoha ou un autre ninja. Peu importe son pays. Je pense qu'on l'avait tous. J'ai une question. C'est bien pour ça qu'il est que cependant. Nous jugeons Shigeru sur des faits passés, pas sur ce qu'il a fait. Exactement. Comme on l'a dit précédemment, il y a deux Shigeru. J'ai juste une question, Kimi. Qui a autorisé votre ami Suteiki à rejoindre son organisation? Il a cramé son pote. Personne ne l'a autorisé, il l'a infiltré. Eh bien, force spéciale, vous arrêtez Suteiki immédiatement. Il vous interroge pour moi. Il a infiltré son organisation. Non. Oui.
Moi, j'aurais une question, Camille. Une question à toi et à Shigeru. Dans un premier temps, où se situait l'organisation de Shigeru Yamanaka? Ramé tout seul, voilà. Coussin. Bien. Nous avons été attaqués il y a de ça très peu de temps, les forces spéciales, moi ainsi que Takao. Lorsque nous avons déporté un ninja se prénommant Motome, un ninja damé avec une puissance inébranlable, des villageois de Konoha, de Kusa, pardon, des ninjas de Kusa, pardon, se sont amusés à nous attaquer et ont donc tenté de libérer Motome. Ils sont donc partis à l'encontre du village de Konoha et ont attaqué des membres des forces spéciales. Je tiens à rappeler que les membres des forces spéciales sont des ninjas de Konoha à part entière. Il est même possible qu'il y en ait ici dans cette salle. Donc, la question que j'ai posée à Shigeru, c'est: est-ce que Shigeru, vous êtes lié à ça? Et est-ce que votre organisation est liée à ça? Je vais donc répondre à cette accusation. Non, je ne suis pas lié à ça et non. Je vais juste dire non, ce bâtard. Je veux dire, je vais répondre à cette accusation à cette par époque, la réponse de... Comme vous avez dit, cette histoire est arrivée à mes oreilles. À cette époque, mon organisation n'avait pas la main mise sur Kusa. Nous ne dirigeons pas Kusa, ce n'était pas notre objectif. Nous étions simplement situés à Kusa pour passer un message de paix. Faire en sorte d'organiser plusieurs galas dans le but de montrer à tous que la paix est possible et qu'une entente serait une bonne chose. Maintenant, lorsque cette nouvelle est arrivée à mes oreilles et ce débordement de la part des ninjas de Kusa, qu'ils profitaient du fait que la Fondation avait créé un havre de paix pour y faire la guerre, j'ai décrété que désormais... Non, et je crois que vous avez les informations nécessaires pour retracer les dates des événements. Et sinon, je peux vous les prouver. J'ai ramené une boîte au sein du domaine Yamanaka avec toutes les missives que j'ai envoyées du temps de Kusa à la Fondation. Et les gars, c'est un procès, c'est normal, c'est long. Si vous le souhaitez. Mais moi, j'attends juste pour Kojin, sinon je me serais barré déjà. Je suis venu ici transparent. Après, on va bientôt level up, c'est bénef. Au rapport, nous avions plutôt l'impression que les dents coïncidaient. Je l'ai fait, c'est pour le peuple. Dans ce cas-là, laissez-moi vous montrer que ce n'est pas le cas. Je dois partir, j'ai reçu une missive. C'est bizarre. Bien. Comme je l'ai dit, je vais écourter. Bon bah allez-y vite fait, Shino. On n'oubliera jamais Ichima ici. Il y a un deuxième tribunal, hein, je vous rappelle. Je n'ai pas que ça à faire de ma soirée. Bien, bien, bien. Mes respects à tous, je me présente Sanin de Konoha, Shino Itatake. Alors, j'aimerais revenir sur l'accusation de Shigi Yamanaka envers Shigeru, qui aurait dit qu'il aurait tué Ashura de son plein gré. Il a dit que ce n'était pas d'ordre, je présume. Eh bien, j'ai fait une enquête pour ma part sur Shigi. Shigi est une personne qui déteste les Senju du plus profond de son âme. Je vais vous dire pourquoi il ment. Et là, on va parler d'une autre affaire, celle d'Ikasama Senju. Je suis ancien chef des forces spéciales. Et Shigi fait aussi partie de ces forces spéciales. Je peux le dire aujourd'hui, cela n'aura aucun impact. J'ai enquêté sur la mort d'Ikasama et la personne qui a donné le corps à Haru Senju d'Ikasama n'est d'autre que... le force spécial nommé Abei, et qui était le force spécial nommé Abei, Shigi Yamanaka. Shigi Yamanaka est selon moi la personne qui a donné cet ordre à Shigeru. Shigeru est mon frère d'armes. Il est un très bon ninja. Comme moi, il a tout fait pour Konoha. Il méritait le même grade que j'ai aujourd'hui, le grade de Sanin. Alors certes, il y a beaucoup d'accusations, mais selon moi, les trois quarts de celles-ci sont toutes fausses. Il y a parfois certains sacrifices à faire, mais Shigi est le réel fautif dans cette histoire, croyez-moi. Et ah, t'es pas en tenue de Konoha parce que je suis un Uchiwa, je baisse Konoha. Vous avez très bien. Un bien beau discours. J'ai discuté actuellement. Mon Susanoo, il discuté avec en guerre. Senju, laissez-moi terminer. Je vais vous répondre. J'ai discuté avec Haru Senju et lui ai mis la lame sous la gorge. Et j'ai eu les missives officielles du Force Spécial Abei qui ont été directement envoyées à Ikasama pour l'envoyer au hameau de Tekyo. Et où sont ces missives? Je vais vous les montrer par papier. Laissez-moi remonter et je vous les donne. Très bien. C'est pas grave, Caïman. Allez plutôt à côté de Shigeru dans la cellule. Voici toutes les preuves sous parchemin des missives concrètes.
Signé. Vous pouvez voir la date du papier. Tout a été écrit ce jour-là. Par cette personne. C'est quoi qu'on va faire le procès de Genma, frère? J'en pleure. Voilà tout. Voilà tout ce que j'avais à dire. Shigeru, je vais vous énoncer une sanction qui vous sera donnée. Respect, Shino. Vous ne pouvez pas contredire cette sanction. Vous êtes obligé de la subir. Si vous décidez autrement, c'est la mort qui vous attend. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Affirmatif. De toute façon, je suis venu ici réparer mes péchés. Oui, je demandais juste une réponse positive. Je ne demandais pas un résumé. Vous serez enfermé pour une durée d'une semaine, mis à disposition des Yamanaka et du domaine scientifique afin d'exercer des expériences et retracer tous vos souvenirs afin d'avoir une vérité claire, nette et précise sur toutes ces histoires. À la fin de cette semaine, si vous survivez, vous serez relâché et relaxé de toute affaire qui sera tenue contre vous de Konoha. J'accomplirai donc ma sanction. Très bien, vous pouvez le ramener en cellule. Un peu de joie de vivre, non, c'est un juge en vrai, il a le RP parfait, frère. Et on va pouvoir passer au cas de Koji no Uchiwa. L'amusement va pouvoir commencer. Oui, ouais, ça va. Les clés pour la cellule. Vous m'aidez? Oh putain les mecs. J'ai un argument clutch. 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 Bien, est-ce que quelqu'un... Du moins Kagami Uchiwa ou cette Sujin peut aller me chercher Koji no Uchiwa. Je peux y aller si vous voulez. Bon, il y a une tête qui va rouler par terre là. Vous voulez que j'y aille? Oui, allez-y. Tout le monde quoi. Mais si les hauts gradés sont là à présent, pas de soucis.